Eh bien, salut les amis, c'est Oxy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette nouvelle map de Minecraft où on allait capturer des dragons totalement incroyables. Et je vous rappelle que dans le dernier épisode, on avait chopé ce magnifique petit top de dragon bleu. Mais avant que cette vidéo commence, je vous invite comme d'habitude à faire péter cette barre de like, à commenter et à partager la vidéo. Et bien entendu, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc pour rappel, on avait quand même déjà eu un premier dragon, qui est le dragon qu'on a dès le début, en gros le dragon qu'on nous donne. Billy, voilà, Billy, comment tu vas, Billy, qui nous avait grave servi. Franchement, Billy, il était puissant, il était trop bien ce Billy. Quand on s'est fait attaquer par les espèces de lézards qui sont arrivés en bande organisée, et qui nous ont défoncé, qu'on a sauté sur le dragon et qu'on leur a cramé le cul, c'était terrible. Alors, sauf que là, eh bien, pour le Ptérix, il va nous falloir 50 poissons pour le faire devenir à taille adulte, hein, une fois qu'il sera éclos dans environ 5 minutes. Et du coup, on va pouvoir crafter une petite canne à pêche et aller pêcher une petite cinquantaine de poissons. Bon, ça doit être extrêmement long de pêcher 50 poissons, vous vous en doutez bien, donc il y aura sûrement une ellipse, sachant que l'œuf de dragon, lui, va éclore dans 5 petites minutes. Tiens, bah d'ailleurs, j'étais pas descendu sur la plage, on a un mec et on a des pièces. Oh, ça, c'est des champignons qui sont morts. Eh bah, nickel, hein. Hop là, je vais surtout déséquiper le bouclier, je pense que c'est ça qui m'a fait bugger. Eh, j'ai du diamant, ah bah oui, j'en ai un. Alors, par contre, je viens de voir un truc, les amis. Regardez-moi ça, on a un Bernard l'ermite. Eh, hey, Bernard! Oh yeah, Bernard, il donne du poisson. Alors, les amis, ça fait un moment là, que je suis en train de pêcher. Bon, ça fait un moment, j'ai pêché 6 poissons, hein, en soi, c'est pas exceptionnel. Il s'est écoulé quand même quelques minutes, et je pense que notre cher ami, le nouveau dragon, ne devrait pas tarder à éclore. Donc, on va aller lui rendre une petite visite, voir où il en est. Enfin, de toute façon, même s'il a pas encore éclos, au pire des cas, je vais attendre. Allons voir! Est-ce que tu as éclos? Oui! Il a éclos! Et il est là, il est beau! Il est trop beau, les gars. Il est magnifique, ce dragon. Waouh! Il est magnifique! Est-ce que je peux lui donner genre ça comme poisson du coup? Attends, il veut de la poudre? Il veut de la poudre? Ah! Mais c'est Nightlight! Il veut de la glowstone! Où est-ce qu'on peut trouver de la glowstone? Bah vous le savez, on peut en trouver dans le Nether. Est-ce qu'on a le Nether à portée de main? Non, je ne crois pas, mais ça devrait pas être trop dur d'y aller. Alors je viens de voir qu'il y a un mec qui nous vend pour 20 un obsidienne. Il en faut 10 pour faire un portail. En soi, c'est faisable. À la condition qu'on tue un max de mobs. Il m'en faut 200. Il m'en faut 200 et j'en ai 30. Sachant que les champis en loot, alors en soi, si je fais une radia sur les monsieur champis que je les défonce tous, il y a moyen. Ah bah ouais, mais du coup, ils m'attaquent tous quand je les attaque. Ah ok. Vous êtes des pigmen. Vous êtes solidaires à ce que je vois. Tiens! Alors, bon, j'en ai eu 6. J'en ai eu 6. La question, c'est est-ce que j'ai envie d'exterminer toute la famille Champipi? Non, je ne pense pas. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille là-bas. Et on va découvrir ce qui s'y cache ou ce qui s'y trame. J'ai quelques poissons, j'ai une canne à pêche, je sais où acheter toutes sortes de choses. On va prendre notre cher ami, le dragon. Allez, vol! Vol, Billy! Vol! Et on va essayer de trouver de la glowstone. Ce biome neige, j'avais très envie de le faire parce qu'il me tease depuis le début en fait. Hein. Je le trouve juste magnifique. Ce château, j'ai très envie de l'explorer. Mais d'abord, j'ai envie d'explorer, bien sûr, ce petit village. Est-ce que c'est un village abandonné ou est-ce qu'il y a des habitants? On va découvrir ça de toute façon dans un instant. Oh, en tout cas, il y a des yétis. Ça m'a tout l'air d'être un village abandonné. Hein. Ça m'a tout l'air d'être un village abandonné. Et à mon avis, ça va pas être cool comme endroit. Ils sont déjà tous en train de se rassembler en dessous. On va leur cramer la gueule, hein. Allez hop, je casse la glace un peu. Ils ont pas l'air de kiffer le feu. Allez, tenez, prenez ça. Alors, ok, bon, bah pour ce qui en est des mobs, je crois que le problème est réglé. Il reste quelques yétis là-bas. Le village est abandonné, mais rempli de loot. Allez, crevez. Crevez. Vas-y, Billy. Oh là, on se fait tirer dessus. Ah ouais, il nous lance des blocs. Brûle. Suppôt de Satan. Allez, Billy! Ça va peut-être être un peu chaud pour Billy, là. Parce que faut pas oublier que j'ai pas d'armure et j'ai l'impression que ça pop à l'infini. Hein. Allez, vas-y, Billy. Crame-leur la tronche, Billy! Ça, c'est du combat. On a un creeper dans l'eau. Ça, c'est du combat épique! Vas-y, crame tout, Billy! Ah, il est trop fort, ce Billy. Bon, par contre, il fait nuit, donc on a des creepers. Allez, il en reste plus que deux. Je pense qu'après, on est tranquille. Donc, ça respawn à l'infini? J'ai l'impression que ça respawn un peu à l'infini, quand même. Ouais, ça respawn. Bon, on va retourner d'où on vient et on va aller faire dodo. Alors, je suis en train de me dire qu'avec le peu de pièces que j'ai, je pourrais peut-être plutôt m'acheter du fer. Ce qui pourrait être plus ou moins intéressant. Allez, on va le faire. J'achète tout. Ah, j'en ai que 9. C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais ça reste mieux que rien. Et on va se faire un petit plastron.
parce qu'on en a bien besoin. Ok, bon bah au moins on a un petit plastron. Et on va reprendre Biggie, et je vais retourner là-bas. Ça m'intrigue, j'aimerais bien explorer au moins ce village quoi. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire des trucs dedans, je suis sûr qu'il y a des choses à ramasser dedans. Qui serait hyper intéressante pour la suite de notre aventure, et je suis vraiment très curieux de savoir ce qu'il y a. C'est pareil, l'autre île là-bas, on l'a pas vraiment exploré, on est juste allé choper le dragon en soi. Hein. Ok, et il y a toujours 3-4 golems là, enfin 3-4 yeti. Ouais non, bon, allez, ça va pas être possible, ça va pas être possible, ça respawn à l'infini là-dedans. Ce qui est super bizarre d'ailleurs que ça respawn autant. Moi tout ce que je veux c'est choper les coffres quoi. Je pourrais essayer de déposer mon dragon à l'extérieur. Oh non, il y en a partout. On reviendra avec du stuff. J'ai bien compris que c'était pas de mon niveau, très bien, très bien. Bon alors les amis, me voilà de retour sur l'île des champignons. Hop, comme ça, on va avoir de la nourriture parce que là je commençais à manquer de champignons. Pour ne rien vous cacher, donc c'est nickel, je suis très content de trouver ça. Et on va pouvoir explorer l'île parce que j'ai pu voir depuis le ciel, il y a l'air d'y avoir 2-3 petites choses. Ok, alors vous les entendez, il y a une armée d'hommes champignons ici. Oh, il y en a beaucoup. Allez, je vais tous les attaquer. Vous allez tous mourir. Allez, mourez, vous ne m'atteindrez pas. Vous ne passerez pas! Oh mon dieu, c'est incroyable! Oh ce tempo! Oh ce tempo! On se rendrait dans Counter Strike, c'est incroyable! Ou plutôt les 4 Dead, c'est une armée de zombies! Oh là là! Et ça respawn à l'infini! Les gardes ont trouvé un générateur de pièces infinies! C'est trop bien! Oh c'est trop bien! Wouh wouh! Oh là, par contre, je perds un peu le contrôle. On va se gâcher. Allez, vite, on reprend le contrôle! Le contrôle du territoire, c'est moi qui l'ai! Oh là, ça respawn! Attends, mais je sais même pas comment je vais faire pour récupérer mes pièces si tous les champignons m'attaquent! Mourez. Moi je vais gagner du territoire et je vais récupérer les pièces. Les pièces, elles sont à moi. Donnez-les-moi. Oh là là, et là si je m'en fais pas 200. Ah, je suis pas un fils de dragon. Si je m'en fais pas 200. Aïe. Oui, mais là j'essayais de récupérer les champignons. Ok, les pièces dans la poche, les piécettes dans la pochette. C'est nickel. J'ai 55 pièces, les gars. On a tellement farmé. On a trouvé un générateur de sous. Il m'en fallait 200. Il faut que je tue encore autant de champis que je viens d'en tuer. Alors, on est face à un nouveau problème. Je n'ai plus de fer, donc il va m'en falloir. J'espère qu'il y en avait dans cette grotte. Ah ouais, sauf que les champignons veulent tous ma mort du coup. Comme je ne fais que de les attaquer. Ah mais il y a encore des lézards là, qui arrivent. Alors, charbon ici. Les lézards c'est un problème parce que eux ils sont beaucoup plus résistants. J'ai faim en plus. J'ai faim. Oh fuck, j'ai pas le temps. Vite, mon dragon. Vite. Allez. Wouh! Allez, mourez avant même de venir, s'il vous plaît. Voilà. On va aller d'un autre côté de l'île. On va explorer depuis un autre endroit. Alors ça fait partie des choses que j'avais repérées. Cette espèce de lac au milieu, où là, on peut voir tous les petits hommes dragons, là, tous les petits hommes lézards. Eux, au moins, on sait d'où ils viennent, et on sait qu'il y a une armée d'hommes lézards. Bon, je suis rentré vite fait parce que j'avais plus d'épée en fer, et il m'en faut une, mais c'est pas bien grave. Alors, on va passer voir notre petit dragon, vite fait. Voilà, parce que je pense qu'il est en train de grandir, hein, mine de rien. Ouais, il a grandi un petit peu, il est trop mignon. Il est vraiment trop beau, ce dragon. Il va être magnifique. Bon, alors, t'inquiète pas, j'aurai bientôt ce qu'il faut pour qu'on continue de te faire grandir, parce que ça reste quand même le but de cette vidéo. Du coup, je vais juste acheter un fer. Voilà, je vais dépenser un petit peu nos Dragon Coin. Mais bon, je n'ai pas le choix, mes amis. Je n'ai pas le choix du tout. Mais bon, c'est pas grave, puisque on a deux fers. Maintenant, on a trouvé une source viable de Dragon Coin. Donc, je vais pas vous cacher que je vais aller les farmer à foison. Et quand j'aurai toutes les pièces nécessaires à ce que je veux faire, eh bien, on laissera les champignons tranquilles. Ok, du coup, oh les amis, j'ai largement assez de coins pour faire ce qui était prévu, hein, tout simplement. Alors, j'ai juste un gravier parce que il me faut un flint. Eh, mon capitaine, il me faudra un flint, s'il vous plaît. Ok, bon, bah, j'ai plutôt creusé la route, mais en tout cas, c'est bon. J'ai mon flint. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est que lui, on va lui acheter 3 de fer. Voilà. Maintenant, eh bien, on va tout simplement lui acheter de l'obsidienne. Donc là, j'en ai acheté 3. On va lui en racheter encore un petit peu. Et là, normalement, hop, on est à 9. Il nous en manque plus qu'un. Hop, comme ça. Tac. Et voilà. Et en plus, il nous reste 47 coins. Donc, ce qui est super pratique. Bon, il commence à faire nu, mais bon, c'est pas bien grave, puisque de toute façon, mon portail du Nether, bah, je vais le faire ici, tout simplement. Donc, on va poser... Non ! J'ai gaspillé 2 blocs. Ah, tristesse. Je vais prendre ma cobble. Là, on est à 1, 2, 3, voilà. 1, 2, 3, ensuite tac, et tac, voilà. Bon, j'ai gaspillé un petit peu de gold, mais c'est pas bien grave.
Hop, on va faire le petit briquet, ça c'est nickel. On va pas rester longtemps dans le nether, puisque on y va seulement pour récupérer un petit peu de glowstone et faire grandir ce petit machin qui se trouve juste ici. Donc on en a pas pour longtemps, ça, je peux vous le dire, on va pas passer un épisode entier dans le nether. Bon, sachant qu'on a déjà passé l'épisode entier à tuer des champs pipi. Ok, le portail est ready. Eh bien, je vous propose d'aller dans le nether, les amis. Ok, alors, ça a l'air d'être un nether un peu custom, enfin, tout du moins le spawn. C'est custom. C'est custom, les gars, et on a des golems, en fait. On a des golems! Ça va être super chaud, je le sens. Je le sens, ça va être incroyablement dur. Ok, bon, alors, on va commencer par récupérer un petit peu de netherrack. Le but, c'est d'aller dans les hauteurs chercher de la glowstone. Là, il y en a juste là, j'ai pas besoin d'aller très très haut. Par contre, ouais, toi, tu vas être un problème. Toi, tu vas clairement être un problème si tu me tires dessus. Aïe, 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 j'ai pris feu. Ah, dommage. Mais en fait, il tire vachement bas. On va se contenter de l'ignorer. Et on va aller chercher cette glowstone. Là-haut, il y a largement assez pour ce qu'on a besoin de faire. Alors, ce que je n'aime pas du tout, c'est que j'entends les golems, les gars. Je les entends. Bon, allez, la glowstone, c'est bon, c'est à moi. Ok, bon les gars, j'espère que vous êtes prêts, puisque là, tout va fonctionner comme sur des roulettes. Donc, je vais juste récupérer la petite corde qui attache ce dragon. Et je vais le faire venir avec moi. Allez, viens mon petit gars. On a des choses à faire ensemble. On va s'en mettre là, c'était bien. C'est l'endroit pour faire éclore les œufs de dragon. Enfin, pour faire grandir les dragons, plutôt. Ok, on récupère la ficelle et il veut de la glowstone. Et bah ça tombe bien, mon gars. Puisque j'en ai plein pour toi. Allez, tiens, glowstone, 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 glowstone. Yeah! Ça y est! Oh là là, les gars, il est trop beau. Oh, il est magnifique! Il est magnifique, il est magnifique, il est magnifique. Waouh! Ah, je suis impressionné. Alors, par contre, il nous regarde, du coup, on n'arrive pas à faire le tour. Oh là là! Oh, la beauté de ce dragon! Oh, les gars, si j'ai pas trop de flow, là, sur mon dragon... Bon, j'ai mon bouclier dans le crâne, mais ça, c'est qu'un détail. Allez, vol! Hell yeah! Oh là là, oh qu'est-ce qu'il est beau. Oh, quand il vole et tout. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais franchement, je le trouve trop trop beau. Je reviens plus fort avec un plus beau dragon. Oh là là, les flammes bleues magnifiques. Et lui, il met des blocs bleus au sol. Très bien. Ok, c'est très agressif, hein. Mon dieu, c'est trop fort, les dragons, c'est trop trop fort. Ok, bon bah, il est super puissant. On va aller voir ton nouveau copain. Et je te présente Belly. D'ailleurs, va falloir choisir un nom à ce dragon. Donc, je vous laisserai me dire en commentaire. Essayez de lui choisir un nom badass. Oh yeah! Ils sont pas trop stylés, là, tous les deux. Bon, et franchement, il pète la classe. Hein. Oh, franchement, il est magnifique. Je le kiffe trop. Bon, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez un petit nom à lui donner. On a déjà Belly. Donc, vous me direz. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, bien n'hésitez pas, comme d'habitude, à faire péter cette barre de like, à commenter, à partager la vidéo et bien entendu vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Pensez à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok et ma chaîne secondaire. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur ce, et bien allez, salut à tous, c'était Oxy. Salut tout le monde!